Oui, bonjour. On est à Plemelin. Je m'appelle Jean-Charles Perrazzi. Je suis un journaliste en retraite, envoyé spécial d'un grand quotidien régional et jardinier autodidacte depuis, ça peut étonner, mais c'est comme ça, 1941, quand ma mère, en pleine occupation et que nous avions besoin de manger, on était cinq et puis seul avec ma mère, j'ai la consenti à me donner de 3 mètres carrés de terrain et j'ai semé mon premier blé avec les conseils du paysan qui conduisait ses chevaux à côté pour faire ses semis. Je me contente de dire que je pratique comme pratiquaient mes ancêtres en Bretagne ou en Argentine puisque j'ai les deux facettes. Et voilà, en respectant la terre au maximum parce que c'est la terre qui nous nourrit. La terre doit nourrir son homme, mais pas plus, et le nourrir bien. Et ce qu'elle fait à partir du moment où elle est respectée. Pacha, mama, la terre, mère. La mère, on la respecte, la terre, on doit la respecter. Alors après, techniquement, ça suppose qu'on n'utilise pas de produits chimiques, phytosanitaires, Roundup, engrais chimiques et tout, et qu'on cultive la terre avec ses mains, avec ses outils. Jean-Charles, alors moi je regardais vos cultures et en fait on ne voit pas du tout de mauvaises herbes. Comment vous faites là non plus? Vous n'utilisez pas de pesticides? Oui, vous ne regardez pas de mauvaises herbes parce que j'ai passé ces jours derniers à arracher quelques herbes indésirables qui poussent entre les plants, ouais, les légumes. Okay. L'essentiel est qu'elles ne deviennent pas trop envahissantes, ces herbes. Donc il y a un équilibre à établir, ça c'est le boulot du jardinier. Entre les plants qu'il a semés ou qu'il a plantés et l'herbe qui envahit. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas à nettoyer radicalement, parce que dans ce cas-là, vous mettez le sol à nu, puis ce n'est pas bon. Voilà, c'est-à-dire que vous laissez quand même une couverture de copeaux, de... Très exact. Parce que si je retire des herbes qui vont envahir un peu les plantations, ben, il ne faut pas laisser la terre à nu, il faut toujours la couvrir d'un manteau. Pachamama, la terre mère des Amérindiens. Il faut la recouvrir, donc je mets du broyat, du compost, de la paille, des feuilles sur une certaine épaisseur. Et quand tout sera, le jardin, les cultures seront terminées, il faudra mettre sur l'ensemble du terrain, si possible du carton, sur la terre pour protéger la terre mère, et par-dessus 20, 30, peut-être même 40 cm de feuilles, de déchets de tout ça. De cette couverture-là, en fait, alors. Et ça protégera les micro-organismes de surface et puis les bestioles ou les vers qui sont dans la terre et qui ont un rôle essentiel. D'accord. Si bien qu'au printemps, ce qui restera, qui n'aura pas été dégradé, vous pourrez dégager avec un râteau et puis travailler légèrement la terre avec un outil que j'ai là. Et ressemer à nouveau, et le cycle repart. D'accord. Et c'est important aussi d'avoir, de varier les cultures, de pas mettre tous les mêmes plants au même endroit. Ah, c'est essentiel, oui. Et j'ai des amis qui sont tellement organisés qu'ils font le plan du jardin. Par exemple, un chou, vous ne pouvez pas le mettre au même endroit pendant 5 ans. Parce que les maladies vont venir et puis ça ne va pas. Bon. Donc, il est important de faire ce qu'on appelle la rotation des cultures. C'est-à-dire de ne pas remettre au même endroit certaines plantes qui ne vont pas pousser parce qu'elles étaient l'année précédente. Pourquoi ? Dans quelle... Parce qu'elles vont capter dans le sol la nourriture dont elles ont besoin. Elles vont le capter tellement elles que la suivante qui voudront, ils sont de la même famille, manger ce qu'ils ont mangé, eh bien, ça ne sera pas bon. Oui, d'accord. Alors, je le fais... Mais comme je suis assez paresseux ou très occupé, j'ai la flemme de faire un plan, comme certains de mes amis, pour dire cette année, cet endroit, tel endroit, tel endroit, et puis il faut un quadrillage. Donc je fais au pif, disons. D'accord. C'est pas la meilleure méthode. Hein. Je fais à l'instinct, je me dis, tiens, l'année dernière, j'avais des haricots ici ou là. Je réfléchis un peu, puis j'essaye de décaler, etc.
utiliser. Est-ce que c'est important aussi, j'imagine, d'avoir les bons outils j'ai cru en voir des fabrications maison. C'est vous qui les faites, ces outils? Il peut m'arriver d'en acheter quand j'ai la nécessité absolue. Mais parfois, j'en trouve aussi. Je suis sentimentalement attaché aux vieux outils parce qu'ils ont été dans les mains de... J'ai une fourche de mon grand-père qui était cantonnier avant la guerre 14. Eh ben, je l'utilise toujours. Elle raccourcit de moitié. On aime les vieux outils. Mais parfois, les vieux outils que vous trouvez dans des trocantes ou des lieux comme ça, ou des charges, quand vous pouvez céder aux décharges, vous les transformez. Et je pense que j'utilise à peu près 40 à 50% d'outils que j'ai arrangés moi-même à ma façon pour qu'ils me soient utiles et faciles d'usage. Vous voyez ? Donc c'est plus vous approprier à votre façon l'outil, c'est ça le but un peu. Oui, pour qu'il soit utile avec là où il est et pour l'usage que j'ai à en faire. Et ça fait éviter d'en acheter d'autres aussi. Oui, vous voulez dire que je suis rada, c'est ça? Mais il y a des gens qui me disent, ou me laissent entendre, mais il n'y a pas de sous, vous avez une retraite d'envoyé spécial. Bon, redevenons sérieux. Non, mais je suis contre le gaspillage. Je reviens à ma... ou du moins, j'évoque mes origines. Nous vivions au bord de la mer, dans le Trégor, près de Perros-Guirec, et les occupants nous occupaient, comme je l'ai dit dans un bouquin sur le jardinage, justement. Il fallait donc se nourrir comme on pouvait. Ma mère, 5 enfants, et puis il fallait donc... Notre mère répétait toujours, on ne jette rien. Ben oui, par chance, elle avait un jardin de 2000 m² et elle et des lapins et des poules. Donc on a pu à peu près... arrivé jusqu'à la fin de la guerre, à peu près nourri. Aujourd'hui, c'est peut-être plus une démarche écologique aussi qui... Oui, si on veut. Oui, si on veut, mais en effet, je suis très proche du mouvement écologique, mais je ne veux pas me laisser un peu embrigader ou suivre la mode, voyez-vous. Et l'écologie, je respecte tous les gens qui y vont, mais je n'aime pas les sectaires ou les intérêts qui vous disent il faut faire ci, il faut faire ça, sinon tu es en faute, etc. Et tout. Donc je préfère suivre mon petit chemin de vieux bonhomme, comme disait Brassens, et sans avoir... comme je suis autodidacte, je m'instruis par les livres, le contact, les visiteurs qui viennent dans mon jardin, qui m'en apprennent autant que je leur en apprends, parce qu'ils ont aussi une certaine expérience. Ça, c'est une grande chance. Sauf ceux qui prennent la fuite en disant, mais c'est pas un jardin, c'est un dépotoir, votre truc. Et puis, ils le disent pas, mais je le sens bien, parce que si c'est des groupes, ils s'en vont discrètement s'ils appoignent les pieds. Parce qu'ils comprennent pas la démarche. Et la démarche est terriblement importante si on veut respecter la nature, si on veut respecter la vie. Je ne fais pas un discours écolo, parce que j'en aurai pour une heure. C'est vrai que en fait, votre jardin, vous le faites visiter. Donc vous permettez aux gens de connaître un petit peu ces modes de culture. Je ne suis pas le seul. Hein. Tous les 2 ans, avec la maison biologique, la maison bio de Brasparts, et puis l'ADEME de Rennes, et puis au plan national, ça c'est aussi, je crois, on s'engage moralement à ouvrir la porte tous les 2 ans à des visiteurs. D'accord. Qui viennent en groupe pendant un jour, 2 jours, comme on veut au choix. Bon, là on en a eu 140 en 2 jours, ce qui prouve quand même un intérêt, la dernière fois. Le purin de prêle, le purin d'ortie. Le purin, là j'ai du purin de consoude et du purin d'ortie. Il faut récolter des orties, une masse importante, et le mettre dans un bac qui ne doit en aucun cas être en fer, parce qu'il y a une réaction chimique qui va se produire. Ouais. Il doit être en bois, en plastique ou d'autres matières. Il faut récolter donc une masse importante d'orties fraîches. On hache, on tasse et on recouvre d'eau. Et ensuite, ça va commencer à se dégrader au bout de quelques jours et une mousse blanche va se former. Il faut tourner une dizaine de fois dans les 2 sens. Suivant la saison, ça va être au bout de 5-6 jours, 7 jours, que le produit va être pratiquement prêt.
quand la mousse que vous voyez a disparu, il est temps, il faut que vous avez 2 ou 3 jours devant vous pour filtrer. Et là, c'est prêt à l'emploi. Et pareil pour les autres, pour tous les purins, quoi. D'accord. Et c'est ce produit-là que vous diluez dans de l'eau et que vous aspergez sur les plants. Ou alors que j'utilise au principal en purin, toujours avec de l'eau, au pied de certaines plantes que je sens un peu faibles. Hein. Le jardinier communique avec ses plantes, il voit qu'elles battent un peu de l'aile. Hop, il va lui mettre du purin, ça va les doper, c'est pas forcément le terme, mais enfin ça va les renforcer, quoi. Et il ne faut pas dépasser, si vous permettez que je précise, la période de décomposition des végétaux, quels qu'ils soient. Si vous dépassez de 3-4 jours, ça devient un produit néfaste. Ah, d'accord. Parce que ce n'est plus la décomposition, ça rentre en putréfaction. D'accord. Okay. Alors, tout ça joue sur quelques jours, mais avec habitude, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Ouais. Parce que vous en mettez aussi sur la terre, même l'hiver? Non, mais c'est pour le printemps, quand le printemps va arriver. Par exemple, la consoude est réputée pour favoriser la levée des petites graines. Ah, avant d'accord. de semer, je vais arroser un peu la terre où je vais mettre mes petits semis de radis, de salade, etc. D'accord. Okay. Et ça, le consoude fait pousser. Et la prêle, du coup? La prêle, c'est surtout pour tuer des petites bêtes dans les fruitiers, par exemple, là, parce que la prêle contient beaucoup de silice. Et le carpocaspe, ou les insectes qui vont grimper aux arbres, ou d'autres insectes qui vont aller dans certains plants qu'ils aiment bien, la prêle, si vous aspergez, ils vont absorber de ça, et ben, ça les détruit de l'intérieur, quoi, à cause du silice que ça contient. Voilà. Et l'ortie pour... L'ortie, c'est un dopant aussi. D'accord, ok. Ouais. Mais je ne fais pas beaucoup, je ne domine pas bien le sujet, il faudra que j'apprenne. Mieux, j'ai un livre spécial auquel je me réfère, qui est très très bien fait, par Terre Vivante, et où ils expliquent bien l'usage du 20, 30, en fait, du purin avec tout, hein. Capucine, avec absolument tout. Ah, et chacun, chaque purin ayant une vertu précise. Alors, dans votre livre Au jardin citoyen, vous parlez de l'importance d'avoir un compost, d'avoir une terre enrichie avec du compost. Alors, est-ce que vous pouvez dire brièvement pourquoi c'est si important que ça? J'ai 6 composteurs différents, rien que ça déjà, pour 400 mètres carrés. Encore que dans ma grande montée, je donne à ma femme quelquefois pour son jardin à fleurs. Enfin, les fleurs, ça ne sert pas à grand-chose, mais enfin, il paraît que c'est bien. Je plaisante. Et 6 composteurs, et c'est très important pour nourrir la terre, n'est-ce pas? Parce que les légumes vont manger la partie nutritive, c'est ce qui est nourrissant dans le sol. Donc il faut reconstituer le sol. Voilà, il faut donner à manger, vous avez tout compris. Donc je fais des composts et je répands le compost en fonction des besoins entre les rangs, poireaux, salades et tout ce qu'on voudra. D'accord. Voilà. Et comment on fait concrètement? Vous pouvez nous expliquer comment vous fabriquez le compost? Ouais. Alors, c'est, je suis tenté de vous dire, c'est simple et c'est compliqué. Montrez-nous, si voilà. Vous voulez bien. J'ai, pour mes visiteurs, là, ça manque un peu de fraîcheur, il faudrait que ce soit plus vert, mais enfin, c'est du vert. Hein. J'ai fait ce petit démonstration, ce petit bac là. 1, 2, 3. Il faut prendre de la matière sèche. C'est carton, papier, sans colorant, bien sûr. Les feuilles aussi, feuilles, je vois. Tout ce qui est sec et qui se biodégrade, quoi. Hein. D'accord. Il n'y a jamais de plastique là-dedans. Et il faut, pratiquement à égalité, mais ça, ça se fait au pif, prendre de la matière humide, de la matière azotée.
Les restes de tonte. Tonte de gazon, ben oui, ça va dans le compost. Alors ça, le carbone plus l'azote, les matières, dans le compost, ça se fait tout doucement, pendant un mois, deux mois, trois mois. Ça donne à l'arrivée le compost, une fois bien terminé. C'est-à-dire une matière, c'est de l'humus si on veut, quoi, mais riche. Parce que j'aurais ajouté aussi, parfois, pour l'enrichir, les déchets ménagers. Et je mets quelquefois des algues quand je vais faire mon petit voyage à la mer pour reprendre l'air. Je prends aussi des algues. Et je mets aussi parfois du fumier de vache que me donne un ami. Et puis toutes sortes de déchets. Le fumier de mes poules également va dans le compost. D'accord. Et combien de temps il faut pour que ça devienne comme ça? La question est très souvent posée. Ça varie selon les saisons. Hein. C'est comme pour le purin. Et ça varie de 8 mois, 10 mois, un an c'est bien, il y en a qui vont jusqu'à 2 ans. Et il faudra le remuer régulièrement avec des outils que j'ai spécialement ou fabriqués ou achetés pour que ce soit homogène et bien, et qu'il y ait de l'air aussi. Je plante dedans une baramine jusqu'au fond, à une dizaine de trous, parce que l'air doit circuler dans la masse aussi, pour que les bêtes et les micro-organismes fassent bien leur boulot, soient bien à l'aise, quoi. Décompose, c'est les animaux qui décomposent la matière. Alors, et je voyais quand je regardais votre jardin aussi, il y a des cultures que vous mettez en vertical. C'est pas uniquement sur un plan horizontal, il y en a aussi en vertical. Ça a un sens, ça, dans... Ça a deux raisons. Mon terrain est situé de telle façon que il faut que je capte il est très sec le sol, c'est une terre très très sèche et très pauvre entre parenthèses, d'où la nécessité de la nourrir au maximum avec du compost et autre chose, des algues. Donc je fais des rideaux est-ouest avec des haricots ou avec des potirons des Andes, est-ouest plusieurs, ce qui fait de l'ombrage, vous voyez. Quand le soleil fait son circuit le matin en pleine chaleur de l'est jusqu'à coucher l'ouest, ouais, d'accord. Ils attaquent moins, sinon ils se dessèchent automatiquement en salade. D'accord. Et voilà la raison. Et l'autre raison, c'est que ça fait 400 mètres carrés, donc c'est pas énorme. Et puis avec toute ma famille qui plus ou moins me vient chercher ses légumes chez le grand-père ou chez le père, je suis obligé de jouer aussi sur la surface et je gagne du terrain. Je gagne de la place en faisant en hauteur. D'accord. On appelle ça du bon sens. Vous êtes d'accord? Bon.